Et bonsoir les gens, c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 7 de notre Let's Play sur Portal 2. Et donc, aujourd'hui, nous allons retrouver Watley pour essayer de lui coller un paradoxe pour le faire bugger et pour l'arrêter parce qu'il est à deux doigts de détruire le laboratoire. Et donc, on est parti. Je n'ai pas mis mon timer. Je l'ai mis, c'est bon. Bon sang, mais vous êtes des cubes sur pattes. Vous avez un but dans la vie. Marchez sur des boutons. Vous avez été conçu pour ça. Alors faites-le. Essayez de nous faire descendre. Je vais lui lancer un paradoxe. Vous chauffez, c'est ça. Oui, vous brûlez. Non, 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 vous gelez là. Glacial, okay. Congelé. Non, non, c'est pas du tout ça. Il a créé mais des tourettes sur cubes. Le bouton, punaise. Et comment je vais là-bas? Oh, c'est marrant, hein. Mais oui, très marrant. Ça fait 12 heures qu'on planche là-dessus et vous n'avez rien trouvé, vous non plus. Alors y'a pas de quoi rire. Ouf. Vous avez une heure. À vous de jouer. Hop. Oh, y'a un peu sneaky, hein. Hop. Je monte. Et coucou, c'est moi. Eh. Hey. Ah oui, c'est sûr que vous y arriveriez. Ah. Bonjour. C'était facile. Non, en fait, je crois que je l'avais déjà entendu. C'est un peu de la triche. C'est un paradoxe. Il n'y a pas de réponse. Écoutez, si quel crétin. Pas encore, le centre tout entier va exploser. Faux. On va dire faux. Explosion imminente. Veuillez évacuer immédiatement le centre. Croyez-moi être occupé. Cœur du réacteur à température critique. Voilà, c'est réparé. Hé, hey, vous savez pas comme ça me fait plaisir de vous revoir. Ah non, c'est vrai, justement, j'avais un peu besoin de sujet de test. Donc vous tombez pile. Et c'est parti. Bon bah tant pis. J'ai pas idée de ce que ça fait d'être dans ce corps. Il faut que je teste. Tout le temps, sinon j'ai comme des picotements. Ça doit être une routine du système. Oh, mais quand je teste, alors là, quel pied, c'est le nirvana. Je pense plus qu'à une chose. Tester. Il est venu complètement taré. Vous allez faire des tests, et je vais vous regarder. Et tout ira. Alerte, surchauffe du cœur, fusion nucléaire imminente. Je crois qu'il y a un problème. Ce test-là, c'est moi qui l'ai fait. Il n'est pas facile. Vous remarquerez les douves, très dangereuses, très mortelles. Enfin, peut-être pas dans l'état, mais à terme, c'est un projet en cours. Bip. Oh, oui. Bravo. Ça c'est génial. Oh, c'était jouissif. Tiens, j'ai une idée. Ok. Vu que c'est un peu lourd de créer des tests, vous avez qu'à résoudre le test actuel en boucle. Et moi, je vous regarde. On va pas se compliquer la vie. Oui, mais c'est chiant. Et... Non, que dalle. Ça mangeait pas de pain d'essayer. Alors, voyons voir. Il doit bien y avoir de nouveaux tests quelque part par là. Ah, voilà. Bon, j'ai eu peur. J'ai cru que je devais recommencer 20 fois le même truc. Le paradoxe n'a pas eu l'effet escompté. Et j'ai bien failli y passer. Heureusement pour nous, il a l'air d'être aussi calé en construction de tests qu'en contradiction logique. On devrait pouvoir survivre le temps de le retrouver. Oui. Oula. Tout va bien. En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Oh. Je les ai pas inventés de toutes pièces, non. Vous voyez le mot test sur le mur? Ça, c'est flambant neuf. C'est vrai qu'il y a ça. Oh. Oui, mais ça me sert à rien d'aller là. Hop.
faut que je trouve un moyen de me déplacer par là. Voilà. Ça, je peux le laisser partir. Non, c'est pas là que je voulais aller. Attendez. Oui, mais non, c'est chiant. Attendez. Où qu'il est le cube? Attendez, on va passer par là, mais c'est juste. Voilà, histoire de sortir. Et de poser le cube ici. Et ici plutôt. Et hop. Non. Voilà. Oh, bravo, vous deux. Non, vraiment. Avancez sans moi, d'accord? Je vous rejoins tout de suite. Il part se nettoyer. Oui, c'est bon, je peux m'en aller. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans mes tests qui peuvent donc nous tuer. Mais non. La bonne nouvelle, tes tests m'ont jamais tué. Non, pas grand chose, je vous tiens au courant. Tes tests m'ont jamais tué, GLaDOS, ça ira. Ah, quoique, peut-être dans. Peut-être qu'une fois ou deux, mais. Mais ça va, je le vis bien. Pas grave. J'ai conçu ce test moi-même, à partir d'autres petits tests que j'ai trouvés. J'ai tout mélangé. Des boutons, des tuyaux, des puits sans fond. C'est le gloobie-boulga des tests. C'est ce que je vois. Alors, bah c'est facile, faut juste que je fasse un truc ici et un truc là. Et après... Ok. Hop. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Oui, c'est ce que je me dis. C'est... Non, je me fais baiser si je fais ça. À partir d'autres petits tests que oui. J'ai trouvés. J'ai tout mélangé. Des boutons, des tuyaux, des puits sans fond. C'est le gloobie-boulga des tests. Alors on regarde un peu autour. Je pose un portail ici, je pose un portail là-bas. Et là, faut que je pose le portail. Ici. Que j'avance. Et après, je vais en reposer d'autres. Bon, là c'est vraiment trop long. Je vais vous dire comment résoudre le test. Vous voyez ce bouton? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord. C'est pourquoi je ne peux pas vous aider à résoudre les tests. Peu importe. Résolvez-le toute seule. Je dis rien. T'inquiète. Je gère. Il faut juste que je réfléchisse un peu, que je me remette dans le bain. Et voilà. Le cube est là. On le ramène tranquillement vers nous. Comme ça. Oh non, non, faut pas jouer dans le truc, moi. Hop, je te prends avec moi. Je te pose là et je te mets là. Oh oui! Bravo! Merci. Tout ce qu'on avait à faire, c'était tirer ce levier. Non, vous avez appuyé sur le. Je sais que nous sommes certainement à deux doigts de mourir. Mais ça valait le coup. Elle a changé de voix un peu, GLaDOS, non? Ah. J'arrive, une petite seconde. Vous n'allez pas me croire, j'ai trouvé toute une aile murée, avec des centaines de salles de test, tout à fait exploitables, remplies de squelettes. J'ai juste eu à faire un peu la poussière. Des squelettes. En fait, il est possible que j'ai constitué des réserves. Oula. Vite. Et voilà le travail. Sincèrement, on voit pas la différence, pas vrai?
faut que j'aille là-bas. Ah. Voilà, on va aller tranquillement à l'autre bout du truc. Voir comment ça se passe. Il y a un bouton, le bouton il va s'actionner un truc qui est là-haut, donc il faudra que je pose moi un faisceau ici. Un faisceau qui sera là. Voilà, je le ramène vers moi maintenant. Et je te récupère, petit cube tourelle. Et je peux le balancer là-bas. Mais c'est pas un bon plan. Sauf si je fais ça. Attends, reviens-toi. Ok, c'est bon, on a le truc. Elles sont très faciles, les épreuves de Whatley. Je peux te lancer là-haut, toi? On va essayer de le lancer, ça va être drôle. Faut que je pose aussi mon portail. Voilà. Reviens ici, toi. Attention. Hop. Non. Ok, ça marchera pas. Quoique. Il était beau se lancer. Oui, par contre, faut que je monte. Ça, j'y ai pas pensé. Eh oui, j'y ai pas pensé. Mais non, mais il se barre, l'idiot. Alors, tu restes ici. Hop. Non. Non. Mais abruti. Oups, mon téléphone est tombé. Voilà. Et voilà. J'ai ramassé mon téléphone. Allez, ça y est. Ça vient. Hop. Oh, déçu je suis. Oui, oui, je l'espère aussi, parce que je ne veux pas mourir. Ce n'est sans doute rien. Continue les tests, je cherche une issue. Bon, le dernier test était décevant. Puisqu'apparemment, la politesse, ça vous réussit pas, on va essayer sa manière. Grosse vache adoptée. Gros bovin à mamelle, sans maman. Quoi? Quel est le problème de l'adoption, au juste? Le problème de l'adoption? Pas de parents, déjà? Et puis, Pour info, vous êtes bien adopté, et c'est très triste. J'ai d'excellents amis qui sont... En fait, abruti, elle n'est pas grosse, ça se voit pourtant. Je suis pas un abruti! Ok, faites ça se clash. C'est tout. Oh! Attendez, il faut que je... Parce que je veux bien m'attirer là-bas, mais juste que... Voilà, de partir au moment où... Il ne faut pas. Il n'y a pas moyen de... Oh non! Alors, attends, on va réfléchir. Il y a le cube là-bas. Je peux faire tout simplement ça. Et ça. Voilà, je ramène le cube vers moi. Puis faire ça. Le ramener vers moi. Et m'en aller. Et voilà.
Ah ouais, mais maintenant faut que je trouve un moyen de l'enlever. Voilà, ça bouge. Et ça me repousse. Ok, c'est... Faut s'habituer. C'est insuffisant. Si moi je suis un abruti, pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre un test simplissime ? C'est bon, on s'y réhabitue. Mais j'ai plus l'habitude d'attirer, repousser et trucs comme ça. Ça, je m'en rappelais pas de ces tests-là. Du coup, faut que ça retourne dans ma petite tête. Ça va aller, ça va aller. Oh! Ça a le 5. Pardon, ça vous a pas dérangé, j'espère. C'était le bruit d'un livre, de pages qu'on tourne. Oui, je lisais. Une activité à laquelle les abrutis ne s'adonnent pas. Enfin bref, j'ai fini le dernier, le plus dur, Machiavel. Je vois pas pourquoi on en fait un fromage. J'ai tout compris du premier coup. Vous l'avez lu ? Oui. Sans doute. Allez, on passe au test. Si seulement il y avait d'autres livres, mais non. Alors, laissez-moi me remémorer cette épreuve. Ok. Non ! Ouf. Ok. Est-ce que ce serait pas tout simplement ça? C'est tout simplement ça. J'ai lancé un cube mais il est là, ok. Aïe. Si je fais ça et ça. Voilà. Bah alors, j'ai rien senti, rien du tout. Que dalle. Moyen GLaDOS, moyen. Tu tenais plus que lui, mais tu te tenais pas quand même. S'il n'a pas sa dose d'euphorie résolutive, ah. Nous allons droit vers les problèmes. Ne faites pas attention. Je rapproche juste la salle de test de moi, histoire de profiter au mieux des résolutions. Sûrement pas. Vous dites ? Rien. Oh, pardon, je croyais vous avoir entendu. Là qui désintègre. Si je pose ça là comme ça. Si je pose ça comme ça plutôt. Oh ! Si je pose ça là. Voilà. Il y a des tourelles. Voilà. Oh oh. C'est bon. On courait à la catastrophe, mais tout va bien. C'est quoi ça? Je peux aller là. Oh, c'est mignon les primates. En fait, je suis pas vraiment dans la pièce. Toi, pas pouvoir tuer visage de dieu. Hop. Allez, viens mon petit cube. Voilà. On va redescendre et on va aller poser ça juste ici. Mais il faudrait que je pose la barrière avant. Voilà, histoire juste de ne pas mourir. Hop et hop. Non, vous ne voyez pas. C'est pas vrai. Vraiment sûr de bien résoudre ces tests. D'accord, vous l'avez résolu. Mais peut-être qu'il y a différentes solutions à chaque fois et que vous choisissez toujours les pires. Non, non. Non, non, c'était bien la solution. Ah, oh, c'est quoi le problème? Il est accro.
ce que je vois. Je viens d'avoir un stimulus. Allez, 11 sur 19. Je vais vous enregistrer en train de résoudre ces tests et j'en regarderai 10 à la fois pour être plus productif. Et par voie de conséquence, il va falloir que vous les terminiez 10 fois plus vite. En tout cas, faites-moi signe avant de résoudre ce test, d'accord? Histoire que j'évite de me spoiler la fin. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Si je fais ça, ça peut passer. Là, ce sera pour actionner le bouton. Ouais, bof, hein. C'est pas le bon plan. Non, c'est pas le bon plan. Là, il y a un laser. Ok, ok. Il faudrait du coup le cube là-haut pour l'avoir. C'est moi 2 minutes, hein, faut que ça vienne à mon petit cerveau. Ok, ça c'est de sens ça, mais je ne peux pas y accéder pour l'instant. Et ça passe, ok. Voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir faire ce que je veux. Ça, ce n'est pas le cube que je... Non, c'est pas le cube que j'ai besoin. En fait, c'était ici. Je me suis coincé tout seul. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Ah, faut que je désactive le laser, tout simplement. Hop. Si je te désactive, toi. Ok. Touche à quelque chose. Voilà, là je dois me propulser avec ça. Et je chope le deuxième cube. Avec le deuxième cube, pouvoir réfracter le laser. L'amener là-bas. Aïe. Voilà. C'est exactement ça. Et aïe. Ça, faut que je le fasse amener là-haut. Mais à quoi il me sert ce laser? C'est ça le truc. Ok. Voilà, voilà, et voilà. Ok, c'est bon, on a le truc.
ça commence à bouillonner sur le dans le cerveau là, mais... Vous venez de le résoudre, hein? Je vous avais dit de m'avertir avant de... Oh, pourquoi vous faites toujours tout de travers? Et hop, je t'ai spoil, à la fin je réussis. Pauvre centre. Cet endroit s'autodétruit, espèce d'imbécile. Allez, s'autodétruire. J'ai rectifié ça. J'ai programmé une dernière secousse, juste pour le plaisir. Deux, une ou deux dernières secousses. Rigolo, non? Alerte, surchauffe du cœur, fusion. J'aurais pu le virer, je l'ai pas fait. Mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Reprenez les tests. Ok, ça c'est bouger les plateformes. Si j'arrête de l'alimenter, je peux me TP. Genre je peux faire ça. Quoique là il est un peu loin je crois. Oui il est un petit peu loin, on va le rapprocher. Parce que quand même on n'est pas des fifous hein. On va pas mourir. Pour que dalle. Hop. Voilà, là il est bien. Et hop. Et là. Voilà, je vais devoir appuyer au bon moment. Genre maintenant. Hop. Et hop. Ok, il y a un cube. Il descend là-bas. Ok. Allez, avance, petite plateforme. C'est bon, ça drop. Ça a deux doigts de tomber, mais ça drop. Qu'est-ce qu'il y a qui tienne? Il tient au laser, non? Oui. Ah oui, mais comment je le récupère moi? C'est vrai, c'est malin ça. Aïe. Ok, je vais tout recommencer pour le ramener vers moi. Donc hop. Hop. Tout va bien se passer. Voilà. Hop, hop, non, hop. Voilà, je passe tranquillou. Je crois même que je dois ramener le... Comment je ramène ce laser vers moi? Ah mais oui. Tout simplement. Bon, toujours rien. Laissez. C'est bon. Pour l'ascenseur, il est hors service. Ah. Tant que je vous fasse la visite, comment? Voilà quoi. Sur votre gauche, des loupiottes. Je sais pas à quoi elles servent. Un truc scientifique ou quoi. Moi, un truc énorme. Courez vite! Ça n'a rien à faire là, ce truc! Oh oh! Ça va bien de votre côté? Attendez, je désactive le rayon. Oh! Non, 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 non! Oh, pas bon ça! Oh! Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il a pris de faire ça? Oui, tu es bête! Oui, si tu veux. Ah, ellipse. Est-ce que c'est le... la fin ou c'est pas la fin? C'est pas la fin. Ah, vous êtes vivante.
Super. Oui. Je suis en train de préparer un test. Rien que pour vous. Ça va sans dire. Pour qui d'autre, hein? Voyons voir la sortie. Oh là là, il y a tout. Non, pas de sortie. C'est pas grave, je vais en faire une de sortie. Pour votre test. Là, ping. Parfait. Allez-y. Quand vous m'avez dit de désactiver le rayon, j'ai cru vous avoir perdu. J'ai cherché un autre sujet de test, mais ils sont toujours tous morts. Oh, par contre, j'ai trouvé quelque chose. Ce qui me fait penser que j'ai une grande surprise pour vous deux. Vous allez être sciés. Alors, ok, la sortie est là. Et du coup, faut que je retourne par là-bas. Hop. Je peux pas m'enfuir, de toute façon. Je contourne le tout. Ok, des trucs là-dessous, non? Il doit y avoir des trucs. Il y a... Ah si, il y a un petit truc. Sous ces rails. Hop. Ok. Et si je rappuie, ça le fait tomber? Non, ça en fait respawn un autre. Ok. Là, il y a le truc pour balancer du gel. On va essayer de voir ce que ça fait. C'est pas très motivant, hein. Ah non, c'est bon, je me rappelle. Oh, ça va être chiant. C'est bon. Alors. Il va ramener ça ici. Vous voyez, ça balance de gel. Là, je fais ça. Et voilà, là, ça vole. Si ça vole, je l'emmène là. Pof, ça tombe. J'en mets là. Non. Ah mais non, mais abruti. Tout simplement. Comment je fais pour avoir cette plateforme avant? Bon, je fais ça de façon un peu dégueulasse, mais désolé, j'ai pas trop d'autre choix. C'est bon. Genre là, si je cours, je suis bien propulsé là-bas. Mais quel serait mon intérêt à me faire propulser là-bas? C'est bon, j'ai le truc. Hop, je récupère ça, je te prends, je t'amène ici. Voilà. On pose un cube ici. Enfin un portail. On pose l'autre portail ici. Et tout devrait bien se passer. Je l'espère. Je prends mon élan. Et je passe. Vous allez adorer la surprise que j'ai.
Et voilà. On peut même dire que vous allez mourir de plaisir. Et par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Bon, je sais pas si vous avez bien capté ce que je vous ai dit, mais... Oui, je vais décéder. Je vais mourir de décès. C'est gênant. Oh là là! Oh non, désolé, c'est ma faute. Quelle endurie! Quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression qu'il veut nous tuer. Continuez! Sauf que lui, il est inconscient. Il fait pas exprès de vouloir nous tuer. Alors que toi, GLaDOS. Hop. J'ai que 3 salles avant la grande surprise! Eh hey, oh! Je te permets pas. Hop, on va de l'autre côté. Je vais appuyer ici. Ça me ramène du gel. Voilà. Je sais pas si j'ai bien posé. On peut retenter. Histoire d'être sûr d'en avoir mis partout. Voilà. OK. Si je balance le gel et j'arrive plutôt avant lui, je le pose là, je pourrais le TP, l'attirer et le mettre là. Donc ok, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Oui, mais après. Ah, ok, c'est bon. Je vois ce que je dois faire. Voilà. Et paf. C'est bon. Ouf. Eh bien, ça. Est-ce que j'ai activé? Oh, ok.
je fais mon affaire, moi. Non. Ne tombe pas dans le vide. Voilà, reste un peu sur place. Si je fais ça... Ouais. Je peux faire comme ça, mais bon, c'est pas le meilleur plan. Je sais pas si ça va marcher. Oh, vous avez réussi. C'est ça qui marche. Tant mieux pour vous. Ok. Désolé, hein, je galère un peu, mais là, ça devient un peu compliqué. Que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Oui. Plus que deux salles et vous serez fixé. Ah. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense pouvoir nous faire accéder à la salle suivante. Suivez-moi si j'ose dire. Surprise, c'est le grand moment. Oula. J'avoue. Vous vous en doutez sûrement, mais je n'ai plus besoin de vous. Ah! J'ai trouvé deux petits robots en réserve conçus spécialement pour faire des tests. Misère, il a découvert le programme de test coopératif. C'est une idée que j'ai eue pour mettre hors service les sujets humains, juste avant votre évasion. Ça n'avait rien de personnel, mais enfin, vous voyez, vous m'avez tué après tout. Ah! Ok. Coucou, le moment est venu de vous tuer. Je viens d'avoir un stimulus. Eh bien, on fera ça dans le prochain épisode, du coup. Voilà, je vous fais un petit mystère. On verra en prochain épisode s'il nous tuera ou pas. Sur ce, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play, mais aussi la fin de Portal 2. Et d'ici là, à la prochaine.